Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. Donc on va continuer notre petite aventure. On avait fait quoi la dernière fois? Je me rappelle plus vraiment en fait. Je me rappelle plus, je sais qu'on a beaucoup de place déjà. Alors, fais voir la carte. Ah oui, on voulait aller explorer la grotte qu'on avait trouvée. Donc c'est la caverne oubliée. Donc, ouais, on peut faire ligne droite comme ça. On peut peut-être faire... l'assassinat. Quand on passe à côté. Ouais, on peut faire ça. Ok. on a du boulot. On a du boulot. On s'était vidé l'inventaire et tout. Je crois. Ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 114? Je crois que le fait de trouver plus de matériel, c'est pas mal. Hein. Je crois que c'est pas mal. Ok, on y va. De toute façon, on a de la place. Hein. C'est pas comme si. C'est pas comme si on était gêné maintenant niveau place. Donc on peut s'en foutre un peu en fait. Hop là. On a des ours. Est-ce qu'on est bien buffé? Ouais, on est bon. On est bien buffé de ouf. C'est bien. Pas abusé du tout à chaque fois. Ah là. Go. Yes! Ah, c'est des trappeurs niveau 14. Pas mal pour avoir des animaux niveau 14 du coup. Ou alors, oh, un berserker niveau 14. On peut peut-être tester à la limite vite fait. C'est, j'avoue, passer de 9 à 14, c'est un peu, ça fait quand même une bonne différence. Enfin, 10, allez, 10. Fais voir. Ah non. Enfin, celui-là en tout cas on peut pas l'attraper. Car moi ça a 214 de dex quoi, c'est pas abusé du tout, c'est vrai. L'ours de vie. Y'a tout le monde là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. J'ai du mal compter, il doit être 14. 14. Coureur sert à rien. Bon bah c'est bête, on n'a pas de sauvage 14. Ouais, pas grave, tout le monde va devoir mourir. Mais ouais, un sauvage 14, hein, ça serait pas de refus. J'ai envie de dire que peut-être que je vais finir par... Parce que pour être franc, comme j'ai dit, on va mettre beaucoup de temps à monter de niveau au final. Je pense que le niveau 12, je crois qu'on peut tout finir. En fait, quand on va être au niveau 11, comme j'ai dit, déjà on va avoir les nouvelles armures et tout ça. Donc on va être extrêmement puissant. On va déjà être extrêmement puissant une fois qu'on arrive au niveau 11, pardon. J'ai dit 12, 11. On va être très très puissant au niveau 11 avec tout ce qui est nouveau. Et alors déjà ça va prendre du temps à monter. Et je suis en train de me demander si je vais même pas faire une pause pour aller plus vite en fait. Pour farmer de mon côté, faire des missions et tout ça. Pour aller un peu plus vite. Comme ça je peux vous montrer au moins les armures de niveau 11 sur tout le monde. Déjà ce serait bien. Mais dans un sens, je me dis peut-être que limite, ça m'aiderait aussi à monter jusqu'au niveau 12. Comme ça, on peut voir les nouvelles habilités, là. Genre, les attaques coup d'éclat, ce serait bien de voir comment ça fonctionne et tout. Mais ouais, ça prend du temps, quoi.
Je vais voir un peu les dégâts. Ouais, ça va. Joli. C'est limite. Parce que comme j'ai dit, hein, je suis sûr qu'on peut finir... Honnêtement, je suis sûr que je peux tout faire là, en fait, à ce niveau-là. Et comme j'ai dit, j'ai pas trop envie de me stresser non plus. Par rapport à... aux missions qu'on doit faire. J'ai pas envie qu'on soit genre sur le... la limite de tous crever, genre qu'on fait... le village fantôme, des trucs comme ça. Donc je voudrais bien le faire. Je voudrais qu'on soit un peu plus haut niveau et tout ça. Mais ouais, je suis quasiment certain qu'on peut faire tout ça sans problème maintenant. Mais je voudrais le faire avec du meilleur équipement, comme ça. Comme ça, je peux vous montrer des trucs. Très bien. Toi tu vas... Oui mais Ned tu vas contrer donc tu vas tuer. Donc on peut utiliser Silea pour faire un... une bonne attaque qui va faire des bons dégâts. Oh, 518 quoi. Voilà. Joli. Mais Ned qui prend rien quoi, c'est abusé. C'est abusé ce taux de destruction. Qu'est-ce qu'on fait? On tue des loups. Hop là. On est sur le debuff vulnérabilité avec la dague, donc très puissant, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, on peut aller là. Tiens, on a qu'à bloquer l'ours. Non. On va pas le tuer, honnêtement. On va juste tuer les gens. J'imagine qu'on va... qu'on va pouvoir les faire fuir. Au pire, on l'empoisonnera et tout, comme d'habitude. Pas tirer sur grand chose avec toi. Joli. C'est vrai que nos déplacements sont atténués, je sais pas pourquoi. On utilise la faucille pour éviter d'utiliser de la bravoure. Parce que là, on a quoi? On a moins 3. Moins 3, ça va. On peut combattre pendant très longtemps. Il n'y a pas vraiment de problème. Si on arrive à maintenir moins 3, ça va.
980, putain. Ah là là. Je crois que le pire, en fait, c'est avoir ces ours-là boostés avec des dégâts critiques et tout, hein, comme ce qu'on a. C'est complètement absurde, les dégâts. Le machin, il gagne furie et tout le temps quand il tape. Encore une fois, là, on a... Là, on a plus ou moins broken le jeu. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Pour être honnête. Toi, par contre, tu... C'est marrant parce que des fois, en fait, elle est vachement intéressante avec son arc, mais des fois, en fait, elle est complètement... Ouais, bah, ouais, inutile, quoi. Celle-là, tu vas me désengager. Voilà, faut se mettre dans un angle un peu bizarre pour éviter de désengager. Cool. Saignement et ralentissent. Ouais, le seul mauvais côté là de combattre des groupes ici, c'est que on gagne rarement en fait au moral. Ah putain, c'est vrai. Ah, on va se taper un autre ours. J'avais voulu en garder un, en récupérer un de mec comme ça. Ou s'il meurt, il y a un ours qui vient et faire en sorte qu'il meure, juste pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais bon, au final, ça sert pas à grand chose. C'est plutôt inutile en fait. Donc, quand on y pense, c'est complètement inutile. On prend un mec et son habilité, c'est qu'elle s'active quand il meurt. Donc autant pas le prendre du tout en fait. Si c'est juste pour avoir un mec pour le faire crever exprès, c'est débile. Du coup, je suis un peu bloqué là. Il est quoi? Il n'y a pas trop de vie. Ah, on est super mal placé en fait pour des bombes. Ok, là. Un peu de dégâts. 700. 1428. Si vous jouez pas, si vous jouez pas objet comme je fais moi, genre objet qui tape la vie, honnêtement ça devient très très compliqué de combattre. Surtout avec les ennemis qui ont énormément de d'armure et tout, ça peut rendre le truc pas très très fun en fait, j'ai envie de dire. Vous tapez pendant 3 heures sur la même personne qui a genre 500 d'armure, fou. Ça fatigue. Mais là non, on fait très mal. Je sais pas trop comment faire en sorte qu'on gagne plus vite. Avec le moral, à part le fait de faire apeurer là, je vois pas trop. Parce que même si eux, ils ont pas trop de volonté, elle a l'air très solide en fait. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Les ennemis vont faire grimper votre jauge de morale et tenir le temps plus rapidement. Parce qu'en théorie, c'est lié aux gens qu'on tue par rapport à leur morale en fait, non? Enfin, je sais pas.
Depuis qu'on est ici, vu qu'ils sont haut niveau, même si dans leur stat ils en ont pas beaucoup de volonté. Ouh, 267 en bonus parce qu'il a déjà ralentissement. Ouais, ça c'est pas mal ça. Mais ouais, c'est compliqué pour gagner en morale. Huile infectieuse, pas mal. Ouais, c'est bon, on se casse. Pas besoin de combattre 150 ans, on a eu quoi? Ah, bouclier, une étoile. Je vais faire attention maintenant. Si on gagne des trucs genre une, deux étoiles. Deux étoiles, c'est méga méga rare de trouver des drops deux étoiles, mais. Mais ouais, si on trouve des objets comme ça qu'on peut pas crafter. Et que techniquement, il n'y a pas vraiment de moyen à farmer. C'est un peu aléatoire en fait. On va les garder. Ça peut toujours être intéressant un jour, quoi. Si je veux tester des builds, tester des choses. Voilà. Ça, c'était où il y avait le boss. Ah oui, on était parti parce qu'il y avait une tempête et c'était un peu chiant à voir. Honnêtement, ça me faisait mal aux yeux, tout ce blanc. Donc, ouais. On va continuer notre aventure de ce côté. On peut aller là ou pas? Ouais, j'imagine qu'il n'y a rien du tout, mais... Ah non. C'est quoi ça? Inspecter. Alors, vous avez découvert un secret. Maîtrise de compétences. Là, on est où? Ah, on est au-dessus. Ok. Alors, la caverne oubliée. Alors, du coup, elle est derrière le boss. Ok, il y a des gravats. Ok, gravats. Il y a quelque chose derrière ce rocher. Bah... Oh, c'est une bombe. Bah... Ah, merde. Qu'est-ce que je fasse? Bombette. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire? Non. J'ai été surpris là. Paille. C'est marrant qu'on puisse... Ah, attends. Attends, non, c'est ça en fait, parce que je peux pas mettre les autres choses. Placer l'objet dans l'inventaire. Parce que moi, en fait, j'ai vu une bombe là, là devant, là, on voit, on distingue une petite bombe là. Donc je me suis dit, on va mettre une bombe. Qu'est-ce qu'il faut? Faut que je sorte, je rentre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à cliquer? Il faut en mettre plusieurs. Ah, mais c'est ça en plus! Mettre le feu, torche. Épée de Klink. What? Waouh, j'avoue que... Et je découvre, hein! Là j'avoue que c'est... J'ai fait le truc comme si je connaissais, mais je connaissais pas du tout, hein. Là, j'ai été super surpris. Ça tue. Ah, parce qu'on voyait qu'il y avait une bombe par terre, en fait. Il y avait une petite bombe par terre. Donc après, moi, j'ai cliqué sur bombe à ta main. Un peu machinalement, quoi. Et le truc, c'est que quand je les ai enlevés, enfin, j'en ai mis une, donc ça n'a rien fait. Après, je l'ai enlevé. Après, j'ai essayé de mettre tous les autres objets, comme j'ai dit. Et ça voulait pas.
Donc du coup, bon, ça c'est l'indice final, comme quoi que c'est vraiment des bombes en fait. Donc c'est pour récupérer ça. Cette épée semble avoir été forgée bien loin des 5 royaumes. Elle inflige 3 fois de dégâts à la cible. La troisième frappe repousse l'ennemi de 3 mètres. Triple attaque. Triple attaque. Alors nous on est à 32 de force au niveau 10. Elle est à 53 au niveau 12. Ouais, elle est bien. Assaut vaillant, c'est pas énormément intéressant. Ça fait protection quand on est déjà engagé. Donc en théorie... Ah non, ah putain, c'est une épée à une main ça, ouais. Le problème de l'épée de Klink, pour lui en fait ça va poser un problème. Parce que ça veut dire qu'on peut pas engager avec. Parce que la troisième frappe repousse l'ennemi de 3 mètres. Donc du coup ça va le désengager. Donc en théorie on peut pas faire le système de je contre, tu contre, nous controns, vous contrez. Et on se tape jusqu'à la en fin de soirée. On peut pas faire ça. Intéressant. Après, c'est juste une attaque. Genre, si on fait par exemple la frappe déstabilisante, là, on risque rien. On va être engagé, on peut se désengager, etc. Après, on peut taper la personne contre un mur. Ou contre quelque chose pour éviter qu'elle soit repoussée. Du coup, on reste engagé. Faut voir. Mais ouais, ça fait l'attaque de base, en fait, embêtante. Je me demande même si on gagne un point de bravoure avec ça. Genre, est-ce que le premier coup, on va gagner le point de bravoure parce qu'on s'engage et après on tape le reste? Ou alors ça va pas compter parce qu'on va se désengager direct en le repoussant? C'est 20 à 40% de la force. C'est pas énorme. Là, c'est... Là, ils disent pas. Attends, si je fais comme ça. Ah, ouais, non. Non, c'est pas beaucoup, hein. Ah, c'est parce que c'est un multicoup. Là, on a 70 à 90% de force. Là, on a 20 à 40. Mais bon, ça tape 3 fois. Je sais pas. On pourra la... Ouais, on pourra la tester quand on aura le niveau. Donc, je suis venu là pour augmenter quelques armes. Cette région est extrêmement dangereuse. J'espère que votre groupe est bien trainé. Si pas, je peux aider. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait monter? On pourrait monter l'épée de Migeg. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La masse de Ménette à la limite. Enfin, l'épée de Migeg, elle est déjà niveau 10. On va essayer de mettre tout le monde plus ou moins au même niveau. Genre la hache, elle est quoi? Elle est 9. Ça, c'est 9 aussi. 9. À la limite, peut-être les deux archers en premier. Ça va coûter bonbon. Hein. Alors toi, t'es 9, 9, 9. Klink, non. Oh là là, oh là là, le prix, quoi. Après, c'est 1000. Ok, là, c'est tout niveau 10. This region is extremely dangerous. I hope your group is well trained. If not, I can help. Celle-là, du coup, on va arrêter de l'augmenter. Si jamais on passe à celle-là, faudrait tester au prochain niveau. Faut qu'il passe niveau 11. Ah, c'est pas pour demain, hein, putain. Comme j'ai dit, c'est limite, on a envie d'aller dormir en fait. Pour passer les niveaux plus rapidement.
Ok, c'est bon. On arrête. On arrête. Oh, il y a le bouclier aussi, il faudrait que je l'augmente. Non, j'ai oublié. Ouais, bon bah, c'est pas... C'est pas le plus important, hein. Alors, toi, c'est celui-là. Toi, c'est celui-là. Et hop là. Bon bah voilà, on a gagné un peu de... Ouais, on a gagné un peu. 104 et tout, ça c'est bien. Intéressant cette épée. Est-ce qu'on voulait voler des livres? Attendez. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il nous manquait peut-être des... Cette région est extrêmement dangereuse. J'espère que votre groupe est bien entraîné. Peut-être manquer des livres. Toi t'as quoi? T'as tout. Toi aussi t'as tout. Toi t'as pas la course. Drakkar, t'as pas la course. Lida aussi. Ah oui, on voulait mettre provoque sur... Ok, attends. Ok, donc c'est Drakkar avec la course paysanne. Provocation. Qui c'est qui a pas course en tank? Je crois qu'ils ont tous course, hein. Je crois qu'on est bon. Il n'y a que les lanciers à la limite qui ont besoin de course. Drakkar, on va te mettre course. Ok, pourquoi provoque? Parce que je voudrais tester un peu élimination des faibles pour taper deux fois. Ouais, c'est bon. Donc on a fait ça. Il y a des ours. Vous venez d'où, vous? Ah, un lieu défendu, peut-être? Bon, go. Wow, niveau 12, et vous êtes beaucoup. Vous êtes 16. Aïe, 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 aïe. Oh là là, c'est quoi ce... d'avoir 6 d'un coup, non? Évidemment, ça commence par là. À gérer quand même avec le déplacement, ça va. Ouais, là ils sont beaucoup. Je voudrais bien tous les empoisonner en fait avant de bouger. Là on est d'accord qu'on peut faire 4, non? On peut faire 4.
En plus, c'est des gros tanks, donc... On a besoin de doubler. En théorie, oui. Ah, quoique, techniquement, on a peut-être pas si. Au pire, on se reposera. Ah, putain, j'aurais pu en toucher 5. J'aurais pu en toucher 5, j'ai merdé. Doucement avec mon chien. Très bien. Pas super bien placé en fait. Ah, quoique si en fait. Faire un triple là. Ouais. Joli. Je peux pas passer, ça c'est chiant. Voilà. Ouf. Là. Yeah, bien joué. On va se mettre là. Ah, j'aurais pu peut-être engager en fait. Ouais, mais ça va. Que le voleur il va me taper. Il va taper Johan. Puis il va mourir en fait. Et basta. Ouais, il va faire ça aussi, Duan. Oui, il a limite pas vraiment besoin de mourir du poison, en fait. On envoie le chien-chien. Voilà, très bien. J'aurais dû envoyer le chien sur ceux qui sont mourants, peut-être. C'est pour les faire partir plus vite, mais bon. Pareil au même temps. Ouais, très bien. Toi aussi tu vas mourir. Ah, par contre toi tu vas me faire chier je pense. Je vais pas envoyer le chien. Je vais envoyer le chien ailleurs parce que...
Après, j'aurais pu faire déviation en fait. Bah, tiens, je peux montrer comment ça fonctionne. Alors, en théorie, on fait ça. Hop. Maintenant, je peux faire ça. Ça désengage et ça réinitialise l'attaque. Voilà. Hop, ça va, il va sur Duel. Amorphe. Bon, bah c'est bon. C'est l'ours qui essaye de taper. Let's go. Alors, fais voir s'il y a des trucs intéressants. Armure à lamelles, une étoile. Ouais, c'est pas mal. Rien de très transcendant. Il nous reste 9 de bravoure, ça va, ça va. On tente. On tente ça. Avec 9 de bravoure, ça devrait aller. Alors. Ouais, c'était un des trucs. Ouais. Niveau 14. Prêt à tomber. Ça marche. On va faire ça. Et comme je dis, je commence à m'impatienter en fait sur le fait de je vais peut-être monter les gens vraiment pour de vrai. Hein. Peut-être même avant cet épisode-là, genre je fais première partie, je coupe, après je jouerai de mon côté pour monter et après on se retrouve quand on est quand on a monté de niveau. Comme ce que j'ai fait avec l'équipement niveau 5 en fait. On essaye de récupérer un malfaiteur niveau 14. C'est pas... Avec 206 de constitution, c'est pas rien. Bon, toi on peut pas. Toi on peut. On en a deux de malfaiteurs, on va voir si t'as un... Non, voilà. Lui. Donc, 2. Deux ours pour les malfaiteurs. Là, on n'a pas de tank, mais on a beaucoup de d'archers. Ouais.
On va faire gaffe aux dégâts parce qu'ils vont quand même faire très mal les ours. Genre si on commence à taper et que le machin il tape deux fois, il fait du 900-900. Ça risque d'être un tout petit peu problématique. Ok, là on a deux fois, on a deux compagnons. On va d'abord contrer lui Ouais, comme ça. On peut peut-être d'abord tuer quelqu'un en fait. Peut-être tuer le truand. Très bien. Ouais, c'est bête, je pense que utiliser l'autre épée, ça va plus poser problème qu'autre chose. Faudra voir. Si les dégâts sont justifiés, je dis pas non, mais je crois que ça va plus poser de problème qu'autre chose. Le fait de devoir... De pousser. Là, il faut qu'on se fasse les archers et tout. Pas mal. On t'a boosté en dégâts, tu... On est d'accord, tu... Voilà. Voilà. Encore un archer. On a du tank. Pas vraiment. Très bien. Et là, ça va faire mal. Très très bien. Voilà, comme ça, ça élimine pas mal de cibles. Eux, on les a pas touchés encore. Oh, joli! Joli, joli. Ah, c'est mieux hein, le coup d'avoir une attaque avec le bouclier. On a bien fait. Là, il faudra pas la changer. Alors, on peut faire de l'AOE. Ah, on peut faire peut-être de l'AOE à 3. Thank you.
Toi, tu vas résister quand même. Ouais, ça va. Faudra bien taper le bouclier, quoi. Ça va. Ah, t'es pas morte! Ah! Ah ben... Merde. Ça va, 708. Ah, c'est pas mal hein, la frappe, hein, quand elle fonctionne bien. Quand on est... En fait, quand tout se goupille bien. On va se mettre là. Tout se goupille bien avec triple dégâts, plus critique, plus première fois qu'on tape, marche bien. Toi, on va te contrer avec elle. Ces deux-là, là, me font un peu chier. Ah, mais là, je peux pas toucher les deux. Ah, si. Le glissement ralenti. C'est bien ce qu'elle a mis, affaiblissement sur 3 personnes du coup. Oh la vache, ok. Je pensais que... Ouais bah encore eux qu'on avait affaiblissement, la vache. Saloperie quoi. Alors toi on va faire ça. C'est le backstab. Il acte. Toi. Ah bah le combat se gère. Hop, 142. Eux ils doivent mourir. Non, lui non. Okay. Ok, deux de poison quand même. Ah, il est là, Tarus. Il est méga loin en fait. Se mettre à côté. Toi, comment on va faire ?
Ouais, on peut faire ça. Peut-être te tuer avec un crit. Ou pas, ça va pas critiquer. C'est pas le top top en fait. Évidemment, il n'y a personne qui crit. Évidemment. Lui, il va nous faire mal. Ce que je pensais. Après mes chiens, je crois qu'ils ont tous, oui, ils ont tous de la volonté, donc ça va. Et maintenant, faut faire gaffe aux ours. Parce que les ours, ils vont taper fort. Galvanisation avec un peu de furie, c'est bon. Là, ça va taper très fort. Faut absolument tuer lui, le maraudeur. Parce que sinon, il va nous vraiment nous foutre dans la merde. Ah, toi, tu vas nous faire chier. Ah, mais non, mais ça va, c'est toi. Il y a toi qui vas jouer, ça marche. Lui va mourir normalement. C'est bon. Et lui, on pourrait vraiment lui augmenter les dégâts hein, à Duan. Parce qu'on n'a pas, par exemple, on a la ceinture de plomb qui n'est pas super efficace. On a le fait qu'on l'immunise et tout ça. On pourrait tellement avoir, genre, je crois, si je compte bien, je dirais plus 75% de dégâts en. En riposte. Je pense qu'on pourrait faire plus 75% de dégâts sur les attaques d'opportunité. On pourrait faire ça. Non mais là tu vas faire trop mal. Ouais non mais tu tapes à 200 et quelques fois 2 là. Non mais c'est mort. C'est mort. On va pas pouvoir te... Là, il faut qu'on te casse l'armure. J'ai un peu peur que ça fasse trop mal, là, par contre. S'il tape deux fois... Ouais, non, on va pas le faire. On va attendre que tu t'amuses avec le ours. Joli. Nickel.
toi. Comme ça, tu détruis l'armure. Oh non, elle a mis vulnérabilité, j'avais pas pensé à ça. T'as pas riposte toi? Bien sûr que si, t'as riposte. Oui, parce qu'il bouge pas de toute façon, donc riposte il va le faire quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Mon dieu, t'es calme. Ah, ils sont complètement pétés en fait ces ours. Quoi ça? Côté montagnard. Ah, c'est bien ça. C'est gratuit. Ouh! Attends, on va tout prendre. On va d'abord prendre, après on regardera. Ouh! Personne qui veut nous arrêter, c'est bien. Ouh! Alors, qu'est-ce que t'as à dire? If you wish to benefit from everything the black market has to offer, you'll have to make your way there. In the meantime, you can deal with me. I take anything and everything, wherever. Ça marche. Ok, y a rien. Y a plus rien. Ok, 900... C'est bien. Alors ça, c'est pour annuler le... Le malus. On a un cheval qui vient de monter de niveau. Évidemment, rien en constitution, c'est sympa. Toi, tu peux te mettre à faire ça. Très bien. Bénévole et carnivore. Oui. Elle est où la nôtre? Je la cherche. Ah non, c'est oui, c'est elle qui fait la nourriture. Oui, parce que la nôtre, elle est bénévole aussi. Carnivore, on s'en fout, parce qu'on est à combien de carnivores? On est à 6. Ouais, mais nous, on fait des... On fait plusieurs plats et tout, il n'y a pas de problème. Carnivore, c'est pas vraiment un problème. Bon, c'est chiant, parce qu'on est quand même à 6 maintenant, c'est beaucoup. Mais oui, bah, bénévole, ça nous aide, parce que... Au moins... Parce qu'en fait, niveau 14, ça va être super cher à entretenir, hein. Elle vaut 19, mais elle est bénévole et affranchie, quand même. Hein. Donc ouais. Donc, ouais, en théorie, on peut l'utiliser. On pourrait l'utiliser, lui. Bon, c'est con, parce qu'on a mis quand même quelques habilités dedans. Après, elle a zéro trait intéressant. Moi, j'ai envie de dire que les autres, à la limite, ça va être un peu chiant de les remplacer. Parce qu'ils ont quelques traits intéressants. Ils ont quelques traits intéressants. Mais voilà quoi. Non mais lui ça peut être pas mal de le garder. Ça peut être pas mal. Tiens, t'as que travailler. Mais attends, il faut que je t'enlève parce que là t'es à côté des... Je te mets là. Pour ça. Ah, du coup, toi aussi.
Ouais, ça c'est un peu chiant parce que du coup. C'est chiant d'avoir un risque de. Bon, on verra, de toute façon, on n'est pas là pour ça. On verra ça. Mais ouais, niveau 14, vu que ça sera 14, c'est le maximum sûrement qu'on peut avoir dans les parties zonées. C'est pour ça que je me dis pourquoi pas. Cool. Pourquoi pas. Je vais être honnête, je crois qu'on commence à tourner en rond. Pas à tourner en rond parce qu'on a toujours fait des choses intéressantes, mais. Je crois qu'on est arrivé au moment où j'ai plus rien à faire d'extra. Genre place découverte 32 sur 34. Il y a encore des trucs qui manquent. On peut peut-être voir là s'il n'y a rien, mais je crois qu'il n'y a rien normalement. Il nous manque des lieux. Il nous manque des lieux. À la limite, je veux bien faire un tour pour trouver des lieux. C'est le château. Et je crois bien que je vais faire une pause, histoire de qu'on soit tous au niveau, au moins. Comme j'ai dit. Parce que là, on commence à... Comme j'ai dit, on n'a plus trop... De... Là c'est un cul-de-sac. Là on n'a plus trop de d'histoire principale. À part les choses qui sont difficiles et que j'ai dit que je voulais faire plus tard. Genre les rats. Bon les rats normalement on les fait à la fin. Donc on va pas les compter. Mais le temple et le village maudit. Je pense qu'on de... Enfin quoi que les deux sont liés en fait à l'histoire maintenant. Même le temple en fait est lié à l'histoire donc on va être obligé de le faire plus tôt que prévu parce que normalement je préfère toujours les faire à la fin. Ça c'est aussi il y avait le trappeur. J'ai mis un piton là ou pas? On l'a fait la grotte, ouais. Là, il y a des loups. Je crois que ceux-là aussi doivent être 14. Nous, nos loups, ils sont 14, hein. On est bon hein, avec les loups. Ouais, ouais, ouais. On a des ours 14, on a des loups 14. On a des bonhommes de neige 14. Donc... Avec eux, on est tranquille. Vous avez vu combien de temps on peut courir, quoi, c'est abusé. C'est quand même abusé, hein. Là, on vient de patauger et tout ça. Ok, là-bas, il y a le repère de brigands. Et on est toujours nickel, quoi. On peut toujours foncer et tout. C'est magnifique. Ah, du coup, ça fait des économies, hein. Niveau munitions et... munitions, qu'est-ce que je raconte? Niveau ressources, hein. Bon, je crois qu'on a tout fait, là. Celle-là, c'est que des cul-de-sac, tout ça. Donc, je crois que ce côté, on est bon. Après, on avait aussi le temple avec la porte, là. Avec l'inquisitrice. Elle avait dit qu'ils allaient essayer de... Ouh, faut faire gaffe les inquisiteurs. Elle a dit qu'elle allait essayer d'ouvrir ça. Je sais pas
quand est-ce qu'elle va le faire. Ah, mais j'ai pas regardé ce qu'on avait récupéré, putain, mais quel con. Attendez, on va vendre déjà. Ça nous fera de l'argent. Le déviation, on va peut-être garder celui-là qui est au niveau. La poudre, je la garde aussi. Ok, je vais voir un peu ce qu'on a récupéré. J'ai pas regardé, quoi. Complètement zappé. Alors ça, le collier ardent. L'animal porteur a 50% de probabilité de brûler sa cible, mais il commence le combat avec le statut brûlure. Ah, intéressant ça. Faut vraiment détester les animaux pour laisser une créature porter un tel collier. Ça c'est intéressant ça, comme ouais, pas mal ça. Collier empoisonné. L'animal porteur a 50% de probabilité d'empoisonner la cible, mais il commence le combat avec le statut poison. Ça aussi. Ça c'est... Ouais, c'est sympathique. Après on a récupéré la moutarde et ça. Chic. Fin de son porteur, unité régénère 1% de sa santé. Est-ce qu'on avait récupéré autre chose de spécial? Non. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, je veux pas me prendre la tête avec eux. Donc discret et audacieux. Explorer le tombeau. Donc voilà, ça ces deux, ils sont liés. Et là, on a ruine explorée. Ok. Donc ça, c'est lié à l'histoire, on le fera plus tard. Renseignement convaincant. Interroger le soldat de la tour vaillante. Ah! Ah. Ok. Est-ce qu'on peut... Je les aime pas. Ça va, on peut courir. J'aurais interrogé le soldat de la tour vaillante. On l'a pas fait. Ah, mais c'était pas... Il nous avait pas envoyé... Bah, le mec de la tour vaillante, c'était pas... il était pas lié au... Au mec de la taverne, au tavernier, qu'il fallait récupérer. C'était pas lui qui nous avait dit, le tavernier, il est allé dans une grotte et tout machin. Faudrait que je regarde pour mettre un piton, là, à gauche. Par contre, là... On a des objets volés en fait. Enfin, on a un objet volé donc je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils vont nous le faire payer ou pas. Cassez-vous les chiens. Voilà. If you really want to know, our sentries saw your innkeeper. He was... Lady Brunhild Adra Alazar. Why bother guarding the Edoran border when the Inquisition is already walking? Je comprends rien quand tu parles. The Eye's reckoning seems to strike less frequently here, doesn't it? Alors attends. Est-ce qu'il y a autre chose? Interroger le mec de la tour vaillant, mais on l'a fait ça. The Eye's reckoning seems to strike. Why bother? If you really want to know, Lady Brun. C'est bizarre ça. Renseignement convaincant. On va laisser ça de côté pour le moment.
C'est comme si l'histoire en fait du tavernier était pas complètement finie. Peu étrange. Mind to your heart's content. This place belongs. We haven't seen our foreman. I'm not going to work if it. Okay. I was a bandit before becoming a. At least I'm glad it happened. Bon, on va repiocher ça. C'est bizarre parce qu'en fait c'est pour les interroger sur le tavernier qu'on a récupéré. Donc du coup, bah, ça a pas trop de sens là. J'espère que c'est pas buggé ou quoi que ce soit. Ça me ferait un peu chier. Après il y a peut-être autre chose à faire que je sais pas encore. Hein. C'est possible. C'est pas grave, on va attendre. Ok, ça c'est fait. Alors, on peut aller, vu que je parlais de ça, on peut peut-être y aller, vite fait, voir un peu si ça a avancé ou pas. Voilà, oh là, c'est chier, il y a plein de trucs. Ah, mais c'est à gauche. Parce que je veux pas combattre en fait. J'ai pas envie d'aller combattre, je veux juste explorer là, juste avancer. Pour voir si on découvre pas des nouveaux lieux et tout. Count on us to open this door. We will call you as soon as it's done. Ok. Faut peut-être dormir là par contre avec eux. Peut-être faire passer des jours. Discret et audacieux. Allons leur reparler juste au cas où. Mais eux, c'est. Ils demandent d'aller au tombeau, là, d'escorter. Oui, c'est juste le. Non, c'est pas intéressant. Bon, ben, je crois qu'on a. Ouais, je crois qu'on a tout fait, là. Bah, après. Enfin, on a tout fait, oui et non. Il y a quand même deux lieux qui me manquent. Alors les rats, je crois qu'on les a identifiés, je crois. Oui, on les a identifiés parce qu'ils sont là du coup. Enfin, je crois, hein, oui. Ouais, il y a ça à faire. Bon. Donc je crois que je vais faire une pause ici, moi. This shelter is the last stop before Mount Ernst and the mountain range that separates us from Edoran. Be careful if that's where you're headed. Travelers often lose their way around here. Qui nous sépare d'Edoran. Est-ce que ça serait pas du coup une prochaine zone en fait? Et Doran, non? Adventure calls. Maintenant que j'y pense. I will not go further south. I went on a mission on Mount Ernst. Est-ce que ça serait pas un truc qui arrivera plus tard, ça aussi? Allez, sur le mont Edoran. Alors, au défilé d'une église à proximité, cet hôtel sert aux cérémonies et aux prières des locaux. J'arrive pas à rentrer. Okay. Might she be looking for? Here is your reward. Merci. Assassinat. Ça, c'est une troupe.
No one can make me serve inquisitors. Not even the prince. Ouais, on va s'arrêter là, je crois. Enfin, je vais m'arrêter là, parce qu'on n'est pas vraiment à un épisode complet. Je vais voir. Je vais voir. Mais, terrain de roost là, donc on l'a trouvé. Il nous manque deux endroits. Ah, peut-être là. Mais ouais, il nous manque deux endroits complets à chercher. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la ici, peut-être? On va visiter encore un peu? On pourrait... Parce qu'à la limite, pour cet épisode, je voudrais pouvoir montrer toutes les zones, en fait. Je sais pas si on va pouvoir descendre, ça a l'air un peu... Ouais, non, là, je pense que c'est bon. Au moins jusqu'à ce qu'on soit fatigué, en fait. Ouh, il y a des loups. Des fois, ils sont cachés. On est d'accord que des fois, ils sont cachés, les loups et tout ça, là. On les voit pas. Ça, c'est la prison. Non. Non, c'est pas la prison. Ça, c'est le laboratoire, ça. On a les gens qu'il faut tuer. Je vais pas les faire parce que j'ai pas envie de les combattre. Là on a mis un piton. La reine. On peut aller voir la rouste, là. Ça aussi. À la limite, si genre il y a une mission là-bas. Alors, fais voir. Ça a l'air d'être dans un piteux état, là. I can't make sense of this gravestone. Something's not right. De quoi il parle? Heavy rains revealed this site in the fall. To think we were playing roost over a secret tomb. Quoi? All roost matches are cancelled until further notice. We found ancient relics on the pitch, and we won't let a bunch of yokels step on them. Ils ont trouvé des reliques? Inspecté. Il y a quelque chose d'inscrit sur la stèle. Ah, toi. Érudit. J'ai obtenu le trésor des anciens. Inscrit « Ceux qui ont bu vous saluent ». Ok. Malgré sa perplexité, votre compagnon remarque un petit objet dans la terre. You found an artifact. By the beast's fangs, you must analyze it right away. It could be the key to this mystery. C'est un érudit. J'avoue que celui-là, il est bizarre parce qu'il est pas, il y a pas de couleur derrière. Normalement, c'est ou bleu. Ou jaune ou violet. C'est pas rien. Là, c'est rien. Et c'est bizarre qu'elle nous dise ça, en fait, Mara. I can't believe we're about to uncover an unknown site. Ouais, site archéologique. Ça marche. Bon, on a bien fait d'y aller. On a bien fait d'y aller. Ça marche. Après, c'est tout cul-de-sac, hein, tout ça. Oui, oui, c'est tout cul-de-sac. On va devoir se reposer bientôt. Je vais voir combien de temps ça met, ça va sûrement mettre 2 jours. Oh, 5!
Ah mais attends, c'est peut-être parce que... Oui mais non, mais ça va être minimum 2 en fait. 4, ouais. Ouais, le minimum que je peux descendre, c'est à 2 en fait. Mais là, c'est 5 de base, donc c'est moins 1 avec un érudit haut niveau. Bon, bah si c'est une clé, une truc, faut le déchiffrer, faut dormir 5 fois. Donc bon, bah voilà, on va pas faire ça. Ouais, hein. Oh, vache. Enfin, on va pas faire ça, je vais pas le faire ça en vidéo. Je le ferai de mon côté, et puis après je vous montre, hein, parce que là... On va s'arrêter là. Bah du coup on va s'arrêter là en fait. On va s'arrêter vraiment là pour l'épisode. Est-ce qu'il a tué tout le monde lui? Non, ça va. Ouais, on va s'arrêter là. Ah, en plus il y a une tempête. C'est parfait, c'est nickel. On va s'arrêter juste là. People are giving me dirty looks. Et on verra ça la prochaine fois, on continuera. Je pense que je vais, comme j'ai dit, je vais faire une pause. Je pense, parce que là, si on doit encore regarder un truc pendant 5 jours, bon bah, c'est... enfin 4. On va pas le faire. On va pas le faire en vidéo comme ça, parce que sinon ça va être chiant. En fait, faudrait que j'enchaîne les jours. Donc non, ça ira. On va pas le faire comme ça. Je vais essayer de, bah, de farmer un peu de mon côté, honnêtement, comme j'ai dit. De farmer un peu, de monter de niveau. De monter de niveau un peu. Essayer que tout le monde soit 11. Et avec de la chance, avec ce qu'il nous reste à faire, peut-être qu'on montera niveau 12. Et comme ça, je peux montrer les nouveaux skills, les dernières choses, en fait. Voilà. J'espère pouvoir les montrer au moins. On va faire ça. Putain, toi t'es encore niveau 9. Donc ouais, je vais faire ça de mon côté. Je pense aussi qu'on va prendre du coup notre malfaiteur niveau 14 au lieu de l'autre. Bon, l'autre elle est déjà niveau 11 quand même. C'est pas rien. C'est pas comme si elle était nulle. Mais bon, là comme ça on a un mec qui est directement 14. Donc c'est bien. Puis en plus il est bénévole. Donc c'est très très sympa. Juste un peu embêtant, quoi, ouais, carnivore. Ça fait beaucoup en fait. On est à 6. On est à 6. Bon, après, carnivore, vous mettez un peu de poisson, ça passe, hein, je crois. Le poisson, c'est 1. Oui. Donc au final, ça passe, hein, y a pas de problème. C'est pas vraiment un problème, le carnivore. Donc, ouais, on va s'arrêter là. Et on continuera la prochaine fois. Bon, on n'a pas fait beaucoup de choses, mais on a découvert quelques petits trucs. Donc voilà, je vais passer des jours, je vais élucider ça, ce machin-là. Je vais élucider ça. Je vais même essayer peut-être de trouver les lieux qui me manquent ici. Comme ça, je pourrais directement... Je vais pas aller dedans, hein, mais les découvrir où ils sont. Comme ça, je vous montrerai ça et on aura des choses à faire. Et comme j'ai dit, qu'on soit tous niveau 11 avec toutes les nouvelles armures. Parce qu'il faut que j'en crafte encore, je crois. Je crois que j'ai 3 de chaque. 3 légères, 3 médiums et 3 lourdes. Mais il m'en faut plus. Donc ouais, comme ça, tout le monde sera prêt. Et comme ça, on pourra enchaîner sur le temple, le village maudit, les autres lieux, si jamais je trouve les autres lieux. Donc voilà, comme ça, on fera tout ça. Même les rats et tout, il n'y aura plus de problème. Donc ouais, je veux, pour ces zones-là qui vont être sûrement très difficiles, je veux être niveau 11 pour les armures. Parce que vous avez vu, hein, quand les mecs ils me mettent des baffes, genre s'ils font un critique, ils font 120 et quelques. 120 et quelques, c'est quasiment une armure complète. Hein. C'est une armure moyenne qui est boostée et tout ça. C'est quasiment l'armure entière. Donc c'est un problème. Mais quand on aura les nouvelles armures, bon, on risquera plus grand chose. Donc c'est pour ça que je veux les nouvelles armures. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.